Discours numéro 2 d'Hélios. Sujets principaux abordés. Le pardon du feu sacré. Le feu cosmique du contrôle cosmique d'Hélios. Lorsque l'union avec le I Am est réalisée, les limitations n'existent plus. Discours. Bien-aimé de mon cœur, au moment où le grand pouvoir du feu cosmique est libéré, puisse chacun de vous être capable d'employer ce pouvoir avec plus d'intensité afin de produire cette perfection à laquelle vos cœurs aspirent depuis tant de siècles. La gloire du cœur de la perfection est prête à vous absorber si vous faites face à la lumière et si vous commandez à la liberté du feu cosmique d'être vôtre. Je vous incite à employer le pardon du feu sacré, qui est l'un des pouvoirs que nous employons pour la purification de la terre. Car le pardon, selon notre concept, signifie le remplacement de l'humain par la perfection éternelle du divin. Votre ancien concept du pardon, qui est amour et miséricorde, va être considérablement élargi et éclairé si vous comprenez que le pardon et la miséricorde, vu de notre point de vue, signifie le retrait de tout ce qui est humain devant ce qui est divin. Ayant compris cela, si ceux d'entre vous qui sont sincères et déterminés à rester dans cette lumière veulent appeler le contrôle de mon feu sacré dans les circonstances du monde extérieur, alors je pense qu'ils auront la manifestation instantanée de ces miracles, de ces bénédictions et de ces merveilles tant désirées par leur cœur. Tout cela, vous auriez pu l'avoir depuis toujours si vous n'aviez pas remplacé le divin par l'humain. Maintenant, mettons un terme à ce qui est humain, pour toujours. Précieux cœur, nous avons désiré pendant de nombreux siècles trouver quelques êtres humains capables de rester parfaitement fermes dans la force et l'expansion de leur lumière, afin de pouvoir les élever au point où nous pourrions les revêtir de notre feu cosmique qui les rendrait invincibles à n'importe quoi de ce monde. Vous êtes aujourd'hui les élus pour qui nous essayons de faire cela, parce que vous rendez un service qui permet à la loi cosmique de faire pour votre bénédiction beaucoup de choses qui ne seraient pas permises sans ce service. Donc, lorsque vous pensez au pardon, souvenez-vous toujours qu'il s'agit du remplacement de la création humaine par la perfection du divin. Sous l'action de la loi cosmique, pardonner signifie donner la perfection de Dieu et le pouvoir nécessaire pour enlever toute limitation humaine. Pardonner signifie donner une chose pour remplacer une autre chose. Lorsque nous vous donnons l'usage du feu cosmique de notre octave, c'est le pouvoir que vous êtes censé employer pour remplacer tout l'humain, pour le consumer, afin de permettre la manifestation de la perfection divine pour vous bénir par l'accomplissement de son divin plan. Ainsi, le pardon n'est pas quelque chose de l'ordre du sentimental, c'est une réalité tangible et très pratique. C'est un emploi spécifique et positif du feu cosmique de notre octave qui permet de dissoudre et de consumer toute discorde en vous. C'est un pouvoir cosmique et un don fait par l'amour. Nous désirons que vous sentiez cela très profondément, car nous vous offrons l'emploi de ces pouvoirs supérieurs de notre octave de vie pour parer à la crise que traversent les nations et le monde. Soyez conscients, en donnant vos décrets, qu'ils sont chargés par notre feu cosmique du pouvoir requis pour pénétrer dans les personnes, les lieux et les circonstances, dissolvant, consumant tout l'humain et le remplaçant par la perfection de notre octave, maintenue en permanence. Dès que vous appellerez mon contrôle cosmique de n'importe quelle condition du monde extérieur, par le feu sacré dont I Am, je suis le gouverneur, vous serez agréablement surpris par la rapidité avec laquelle tout ce qui vous a limité et torturé par le passé changera à votre commandement. Nous voulons vous voir jouir de la joie et du sentiment d'une plus grande maîtrise qui se manifesteront lorsque vous commanderez à mon contrôle cosmique de s'établir dans le monde autour de vous et d'y être l'action de mon autorité devant laquelle tout dans ce système de monde s'incline. Rien ne s'oppose à moi et lorsque je projette mon feu sacré
Il fait tout flamber. Lorsque vous commandez mon contrôle cosmique, cela signifie que vous libérez la force du feu cosmique qui gouverne tout dans ce système de monde. C'est par mon contrôle cosmique que ce système de monde est maintenu dans son orbite autour du grand soleil central. Il tient chaque planète du système dans son orbite autour du soleil physique. C'est sur ce contrôle de l'élément feu que j'attire votre attention. Je ne parle donc pas d'un pouvoir mineur ou de quelque chose d'éphémère ou d'instable. Le feu cosmique qui a créé et maintenu ce système de monde est le contrôle cosmique du feu sacré qui maintient l'ordre divin et la pureté de ce grand plan divin dont le système est une part. Comme vous faites partie des activités de cette planète, ce feu cosmique est donc aussi votre maître et le contrôle cosmique que I am, je suis pour toute vie de ce système de monde peut être mis à votre disposition et sous votre direction individuelle par votre appel conscient. C'est alors que vous comprendrez la vraie signification des paroles du bien-aimé Maître Jésus. Gardez courage, j'ai vaincu ce monde. Je veux vous donner la conviction que la loi du pardon et la loi du contrôle cosmique, mises en action dans les conditions physiques, sont des activités du feu sacré, du feu cosmique qui va consumer toute résistance humaine, tout ce qui a provoqué du délai dans la réponse à vos décrets. Donnez vos décrets I am en invoquant le feu cosmique de mon contrôle cosmique. Cela chargera dans vos décrets ce feu sacré qui contrôle tout dans ce système de monde. Vous aurez plus facilement une action instantanée. Le temps ou l'apparence de délai disparaîtront facilement. Il faut rapidement employer ces appels afin qu'une aide rapide puisse être donnée à votre nation. Nous ne pouvons pas protéger ce qui n'est pas constructif. Nous ne pouvons pas protéger les créations de la force sinistre, bien entendu. Si vous appelez le feu sacré de notre pardon en action dans des circonstances données, nous ferons surgir une flamme qui a le pouvoir de balayer l'erreur et de la remplacer par la manifestation de la perfection qui accomplit le plan divin. Que cette perfection soit une chose physique dans votre monde physique, ou une idée, ou l'énergie de votre sentiment, ou n'importe quoi que vous désirez voir se manifester dans votre monde physique, cela n'a aucune importance. Tout provient du feu sacré. Tout doit être purifié et perfectionné par le feu sacré. Tout doit être protégé par le feu sacré, pour pouvoir être soutenu et maintenu à l'avenir et accomplir le plan divin. Je vous assure cependant, mes bien-aimés, que le plan divin ne comporte pas la gratification de vos désirs humains. Les désirs qui viennent du corps torturent le corps. Ceux qui viennent du mental torturent le mental. Ceux qui viennent de vos affaires compliquent vos affaires et vous condamnent à l'insuccès. Nous ne pouvons pas employer le feu cosmique pour protéger quoi que ce soit de destructif. Si vous faites appel au pardon, à l'amour et à la miséricorde du feu cosmique dans l'octave physique, vous serez chargé avec ma détermination et mon sentiment. Quand vous prendrez la décision de faire appel à ce feu cosmique, il balayera les limitations et les remplacera par une perfection qui vous comblera d'un bonheur éternel. C'est donc que nous vous offrons, en attirant votre attention sur ces diverses activités du feu cosmique, sont les pouvoirs de notre vie supérieure. Nous vous demandons de les employer pour sauver le monde. Personne ne peut vous les prendre si vous les désirez. Donc, si vous voulez mettre en action la flamme cosmique de mon contrôle cosmique de ce système de monde, soyez persuadés que je prendrai le contrôle de ce monde. Je vous en donnerai la preuve par des manifestations instantanées. C'est par ce feu cosmique que vous surmonterez ce qui est appelé le temps et l'espace. Ce feu vous donnera une aide assez rapide pour annihiler les plans des forces destructives. Mais nous avons besoin de votre appel. Si vous désirez vivre dans des conditions parfaites, il faut faire appel à l'autorité de la perfection dans le plan physique. Il faut mettre le feu cosmique en action pour produire notre perfection. Que ce soit pour consumer ce qui est faux ou pour manifester, construire et répandre ce qui est réel. La grande loi cosmique sur laquelle j'attire votre attention n'est pas le produit d'une imagination quelconque.
Je vous indique ici qu'elle est l'unique, le suprême pouvoir de maîtrise de l'univers, le dispensateur de toute intelligence, de tout amour, de toute puissance, de toute substance, de toute énergie de vie, qui produit dans l'univers ces manifestations qui glorifient la source de vie, la bien-aimée puissante présence I Am du grand soleil central. Toute manifestation doit glorifier sa source et non être une chaîne ou une limitation pour le moi extérieur physique. C'est la conscience sensuelle qui vous a torturé pendant des millénaires. Mes très chers, si j'étais à votre place, je chargerais le moi extérieur avec le contrôle cosmique du puissant Helios, et puis nous verrons ce que je pourrais faire pour vous. N'avez-vous pas déjà essayé de vous contrôler, sans trop de succès d'ailleurs? Par votre intellect, vous avez très souvent décidé de vous contrôler plus sévèrement et de ne plus faire ou dire ce qui n'est pas correct. Mais toujours, la force des sentiments et des habitudes a surgi et balayé ces bonnes résolutions mentales. Combien de fois cela s'est-il produit au cours des siècles? Je crois qu'il est préférable de ne pas compter et de s'appesantir là-dessus. Mais puisque vous n'avez pas été capable de contrôler l'énergie du moi extérieur suffisamment pour la tenir purifiée et atteindre l'ascension, alors il me semble que vous avez besoin de mon contrôle cosmique dans votre monde physique. Très souvent, vous vous êtes arrangé avec le contrôle de vous-même et parfois, avec la force de la volonté, vous avez réussi à gouverner temporairement une situation donnée. Puis, le pouvoir du contrôle vous a échappé. Je vous garantis que si vous faites appel à mon contrôle cosmique en vous et dans vos affaires, il sera permanent, car lorsque mon contrôle cosmique agit dans le monde physique ou dans un individu, le feu sacré descend de notre octave et demeure là pour toujours, afin d'élever tout dans le cœur du feu sacré. Alors, vous connaîtrez la paix que vous cherchez depuis des siècles. Même si le firmament tombait sur la terre et que le sol se dissolvait sous vos pieds, vous demeureriez dans la sécurité de mon contrôle. Cela n'est-il pas capital? Il n'est donc pas difficile, mes très chers, d'appeler mon pardon ardent dans le monde physique pour effacer la création humaine et pour débarrasser le chemin devant la perfection du plan divin accompli, car votre bien-aimée puissante présence I Am attend une occasion pour vous donner le bonheur éternel de sa perfection. Votre puissante présence I Am attend que votre moi extérieur soit contrôlé par le feu cosmique que je dirige, pour vous donner l'usage de ces pouvoirs supérieurs de votre propre courant de vie. Il ne serait pas prudent de vous donner ces pouvoirs naturels et éternels avant que ce contrôle ne soit établi. Ensuite, vous serez capable de les employer pour bénir toute vie, par l'action du feu sacré cosmique. C'est parce que les humains n'ont pas compris, dans les temps révolus, ce que représente le feu cosmique, le feu sacré, qu'ils sont restés dans leurs limitations. Vous, à qui nous donnons cette connaissance, vous pouvez comprendre et employer ce feu cosmique, non seulement pour vous aider, mais aussi pour produire la liberté de votre nation. Malgré tout ce qui a été dit sur le sujet, les hommes sont encore aussi ignorants que des enfants. Ordonnez que les humains soient forcés de comprendre ce qu'est le feu cosmique, car sinon, ils ne pourront jamais être libérés. Il est très important que je vous rappelle qu'il faut appeler en vous et dans les circonstances, partout, mon feu cosmique de pardon, d'amour et de miséricorde. Insistez pour avoir mon contrôle de tout ce qui concerne votre être et votre monde, afin que la perfection éternelle y soit établie. Vous pouvez créer immédiatement une force vive pour aider votre nation. Vous pouvez l'intensifier au point où elle deviendra la force et la protection autour des individus et de tout ce qu'il y a de constructif dans le pays pour le rendre victorieux. Dans chaque service, nous vous donnons une qualité spéciale ou un pouvoir que vous pouvez employer. Dès que vous gagnerez un plus grand contrôle sur les circonstances physiques qui limitent votre vie quotidienne, vous devrez recourir à mon contrôle cosmique du feu sacré cosmique. Il se répandra en vous, vous entourera et fortifiera tout ce qu'il y a de constructif en vous.
Lorsque vous essaierez de contrôler l'énergie du corps émotionnel, le feu sacré de notre pureté vous enveloppant gouvernera cette énergie et la maintiendra en place. Vous la renverrez à la présence I am pour créer la perfection qui accomplit le plan divin et qui vous libérera. Il n'est pas permis de gaspiller l'énergie. Chaque parcelle d'énergie que vous avez employée consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, sciemment ou non, vous reviendra, chargée de la qualité que vous lui avez imposée. Elle aura fait auparavant connexion avec tous les taux vibratoires semblables à celui avec lequel vous l'avez mise en circulation. Faites appel au feu sacré cosmique de notre octave. Si vous chargez l'énergie de votre corps mental et de votre corps émotionnel avec notre contrôle de notre feu cosmique, cette vibration se répandra dans l'atmosphère autour de vous. Comme nous le dirions dans le jargon électrique ou radiophonique, notre feu sacré annule tout ce qui ne lui est pas semblable, partout. En se répandant dans le monde autour de vous, il annihile toutes les vibrations discordantes. Ensuite, le feu cosmique vous revient avec ses propres bénédictions. Le feu cosmique est comme un envoyé qui entre directement dans les circonstances destructives, faisant éclater toute action vibratoire destructive. Ensuite, il vous revient et vous pouvez l'employer à nouveau. Il est éternel. Son expansion est illimitée, car il est la cause primordiale, spontanée. Il est la perfection permanente illimitée. Le bonheur est la manifestation parfaite et éternelle. Je vous en prie, employez ces activités du feu sacré chaque jour. Rien ne vous procurera plus de grands bienfaits que l'emploi conscient de notre contrôle cosmique en vous, vos affaires, les lieux, les personnes et les choses que vous contactez. Le feu sacré de notre pardon, notre amour et notre miséricorde ne connaît ni changement, ni interférence. Vous aurez ainsi la pureté indispensable, vous aurez ainsi la force nécessaire. Votre puissante présence I am vous donnera l'usage des pouvoirs de votre corps mental supérieur pour produire ce que l'on nomme des miracles dans le plan physique. Lorsque vous faites appel à mon contrôle cosmique du feu sacré pour produire des guérisons instantanées pour vous ou pour autrui, la flamme violette est mise en action avec toute l'intensité nécessaire pour contrôler n'importe quelle situation. La flamme violette est la pureté qui oblige la perfection à se manifester. Ô mes bien-aimés, je vous en prie, employez ce que je viens de vous donner. Employez le feu de notre pardon, de notre amour et de notre miséricorde en vous pour remplacer tout ce qui vous trouble. La grande présence de Dieu, votre puissante présence I am, désire que vous soyez en paix. Nous voulons que vous soyez en paix. Ce n'est pas une raison parce que la création humaine qui existe dans le monde extérieur vous a troublé pendant des siècles pour continuer comme cela. Faites descendre mon contrôle cosmique du feu cosmique dans ces situations et je les contrôlerai. Vous avez permis aux forces sinistres de contrôler l'énergie et les affaires du monde extérieur au point de vous étouffer dans les limitations. Maintenant, adressez-vous à nous et faites appel à la vérité ardente dans sa victoire cosmique, afin qu'elle règne dans le monde physique, et vous constaterez que j'entrerai en action. Vous verrez si oui ou non je suis un être de miséricorde. Je peux produire des résultats. Si je désire donner une leçon à quelqu'un, je peux contrôler l'atmosphère autour de lui ou le désarçonner complètement. Nous verrons bien si l'humain continuera à déshonorer tout ce qu'il y a de divin plus longtemps. Appelez mon contrôle cosmique et je vous dis que l'humain cessera de vous importuner. Le feu de mon pardon, de mon amour et de ma miséricorde repoussera l'humain jusqu'à ce qu'il soit consumé. Vous avez besoin de cela, mes très chers. Dès que vous sentirez la joie et la maîtrise de mon feu cosmique dans le contrôle de vos affaires journalières, vous irez de l'avant avec les ailes de la lumière, employant un pouvoir qui vous enchantera et qui vous permettra de bénir toute vie que vous contacterez. Je ne vous offre pas un don temporaire, je vous offre un pouvoir éternel de la vie. Quelle vie?
ma vie, qui soutient tout ce système de monde. C'est la vie de la puissante présence I am du grand soleil central, avec laquelle votre puissante présence I am ne fait qu'un. J'offre à votre moi extérieur ma vie et le feu de ma vie pour permettre à votre bien-aimée puissante présence I am de répandre le feu de sa propre vie dans le monde extérieur. Ainsi, le moi extérieur réalisera l'union avec le I am et, lorsque l'union avec le I am est réalisée, les limitations n'existent plus. Cela vaut bien tout l'effort que vous ferez pour vous rappeler de faire agir mon contrôle cosmique dans votre monde physique, même dans les plus petites circonstances de votre activité extérieure. Que ce feu soit toujours actif en vous et autour de vous, afin qu'il repousse et qu'il consume tout ce qui est destructif. Alors, vous demeurerez dans la maison divine du feu sacré qui vous appartient par héritage divin. C'est là que vous pourrez vivre et répandre toute la perfection que votre cœur désire pour apporter de la joie, de la liberté et de l'illumination à tous. Quand vous emploierez le feu sacré en activité cosmique, vous deviendrez le régent de système de monde. Si vous voulez le feu de mon contrôle cosmique, il faut le demander. Voilà assez longtemps qu'il a été dit aux hommes. Appelez-moi et je vous répondrai. Frappez et je vous ouvrirai. Décrétez une chose et elle sera établie. Pourquoi ce rappel aurait-il été fait aux humains si ce n'était pas la loi? Tous ceux qui feront l'effort d'obéir et de donner ses commandements auront la preuve de la loi en action. Donc, à l'avenir, mes bien-aimés, que le feu de mon pardon, de mon amour et de ma miséricorde et le feu de mon contrôle cosmique pénètre en vous et transforme votre entourage et votre monde en un monde de perfection de notre feu cosmique. Alors, par l'expansion de sa radiation, tout ce qui est constructif sera intensifié et ce qui ne l'est pas sera repoussé et consumé. Prenez ce sceptre de pouvoir, il est sans pareil. Vos appels au contrôle du feu cosmique de mon cœur produiront des changements dans votre octave physique, mais ne craignez point, ils n'apporteront que du bonheur pour vous. Par l'autorité de votre propre vie, votre puissante présence I am, vous pouvez faire descendre mon contrôle cosmique du feu sacré comme une action toujours croissante du feu cosmique de notre octave dans votre monde physique. Cette fois, cette activité sera permanente. Une perfection progressive et permanente sera établie sur la Terre. Le don que je vous fais est merveilleux et pratique. Employez mon contrôle cosmique dans tout ce qui vous concerne, dans vos gouvernements et dans toutes les activités nationales et internationales, dans tout ce qui concerne l'âme et le corps. Je vous enveloppe dans ce grand amour qui a conçu ces grandes activités de la vie. Puissiez-vous en être toujours conscient, vous en souvenir et les employer pour vous aider à créer la perfection en vous et autour de vous. Soyez libre et victorieux pour servir avec plus de joie dans l'accomplissement du plan divin. Tous les pouvoirs de votre courant de vie pourront être employés sans danger et en permanence. Dans la joie de la gloire toujours croissante de votre propre puissante présence I am, vous chanterez votre gratitude au cœur angélique et au maître ascensionné. Votre liberté ne peut venir que par le contrôle cosmique du feu sacré cosmique. Votre puissante présence I am est ce contrôle. Chaque être ascensionné est ce contrôle et comme I am, je suis le contrôle cosmique de tout ce système de monde, ma force vive est extrêmement puissante. Son pouvoir est infini. Ces manifestations peuvent devenir éternelles à votre commandement. Que le contrôle cosmique de mon feu sacré vous comble de bonheur, qu'il vous précède et prépare votre chemin. Sur le chemin de la lumière, vous progresserez vers l'accomplissement de tous les désirs de votre cœur. Demeurez à jamais dans la joie du grand feu cosmique de mon contrôle cosmique et que tout ce que l'amour peut vous donner soit votre partage. Je vous remercie. Au revoir. Note aux auditeurs.
Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.